Et 1, et 2, et 3, et bonsoir. Allez. On s'installe. Hop, tout le setup est bon, fais voir. Ouais, oui, ouais. Ok, tout est en place. C'est quoi ça? Ah ok, on est bon. Bonsoir à toutes et à tous. Ou bonjour, ça dépend le moment auquel vous regardez cette émission. Allez café, on est ensemble, ça y est, les playoffs arrivent. La saison régulière de NBA touche à sa fin. Vous sentez cette odeur? Alors c'est seulement celle du week-end. Mais il y a aussi l'odeur des playoffs qui arrivent, on s'installe tranquillou. Bonsoir à toutes et à tous, ça me fait bien plaisir de vous retrouver. Ça y est, les choses sérieuses vont commencer. J'annonce tout de suite la couleur. Il y a un Allez Café ce soir. Il y aura un Allez Café dimanche, avant une nuit de folie, évidemment, qui aura lieu. Vous connaissez le grand classique, hein, puisqu'on aura une dernière journée de saison régulière de folie furieuse, hein, avec 15 matchs. Il y a 15 matchs ce soir, et il y a 15 matchs dimanche soir. Alors évidemment, les horaires ne seront pas les mêmes, mais je vous remontre ça dimanche soir. On aura des folies ici. Ce sera le finish, avec donc 15 rencontres qui auront lieu en NBA. Ce sera le dernier moment pour certains de jouer au basket. Les derniers matchs de Wemby, les dernières minutes pardon, de Wemby, avant de le retrouver, de Fou Furieux, pour preview tout ça, évidemment, pour parler de plein d'autres choses, je vous redonnerai l'horaire, mais on va lire ça tous ensemble. Donc ça va tweeter dans tous les sens. Ce soir, moi, je suis évidemment là avec vous pour preview la soirée. Regardez le bandeau, comment il explose. 15 matchs. La NBA a décidé de faire n'importe quoi au finish, et je soutiens totalement cette initiative. Ce soir, il y a 15 matchs. Samedi soir, il y a que dalle. Et dimanche, de 19h à minuit, on s'en met plein les fouilles. Donc 30 rencontres qui auront lieu évidemment en deux nuits. Ça va être n'importe quoi. Et évidemment, je préfère être là avec vous. Ce soir donc. Et dimanche, je vous redonnerai l'horaire. Mais on va voir si c'est un peu un coup de soit midi, soit genre 17h. Je sais pas encore. On verra. Si vous avez une préférence, balancez-le notamment. Je serais ravi de regarder un petit peu votre avis dans le chat et essayer de placer le curseur là où il faut. C'est Allez Café. Et donc, on a plein d'actu. Je vous ai préparé un petit programme tout à fait sympathique. Ça, il y en a qui commencent à me dire 17h. 17h heure française, hein, parce que je sais qu'il y en a qui sont un peu aux quatre coins du monde. 17h. 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 Allez, je confirmerai tout ça, mais on va essayer de se retrouver à 17h le dimanche. Ce sera bien, puisque les matchs commenceront à 19h. Un gros programme qui est prévu ce soir, on va revenir sur plein de choses, notamment dire au revoir à certaines franchises qui sont en vacances, car c'est officiel, certaines franchises sont en vacances. On aura aussi l'occasion de faire du petit quiz, je vous ai réservé un quiz pour vous, celles et ceux qui aiment jouer. Je remettrai tout ça évidemment dans le chat. On aura des petits pronos pour les matchs de ce soir. On reviendra aussi sur les awards. On a envoyé de l'apéro avec Alex. Moi, j'ai bien envie aussi de vous demander à vous vos bulletins, parce que là, ça y est là. C'est ce week-end qu'il faut remplir son bulletin là. Ça y est, c'est qui votre MVP? Votre défenseur de l'année? Le sixième homme, le coach, le rookie, la progression? Tout ça, on va le remplir définitivement ensemble. Comme ça, vous pourrez bien kiffer. Je vois que certains en parlent tout de suite dans le chat. On va faire les choses de manière évidemment protocolaire, puisque certains parlent déjà du bracket contest. Avant ça, je rappelle évidemment aux gens qui aiment bien jouer à des jeux fort sympathiques que ce soir, nous sommes en TTFL sur le pic de la muerte. Je rappelle que le pic de la muerte, c'est très très simple. Si vous faites le best pick en TTFL, eh bien sachez, si vous faites partie du top 3, qu'il y a 3 livres. LeBron de Jeff Benedict a gagné. C'est évidemment tout droit venu de chez Hugo Sport. On met ces 3 livres en jeu. La TTFL, c'est très très simple. Si vous n'y jouez pas encore, eh bien il faut y jouer. Hey, on se réveille, le meilleur jeu de l'histoire du monde. La TTFL, c'est toute l'année. On parlera après du bracket contest, mais la TTFL, c'est très simple. C'est la Trash Talk Fantasy League. Vous foncez, et ce soir, il y a 15 matchs. Donc, si vous choisissez le joueur qui va faire best pick, eh bien, vous allez peut-être partir avec un livre formidable offert par Trash Talk et Hugo Sport. Ce sera formidable. Ça fait partie déjà du premier cadeau. Mais. Vous avez certainement vu cette info passer. Et après, on va faire les bonjours et les trucs protocolaires. Vous les connaissez. Peut-être que certains ont vu ce qui s'est passé sur Twitter et sur toutes les plateformes de Trash Talk. Ce que j'ai balancé comme annonce, et même sur YouTube, je crois, j'ai balancé une notification un peu plus tôt dans la soirée de ce vendredi. Je vais même couper le son pour les copains et copines qui débarquent maintenant. Mesdames et messieurs, je coupe le son. Ce lundi à 9h du matin, lundi 15 avril à partir de 9h du matin,
Vous le savez, chaque année, il y a le Trash Talk Bracket Contest qui débarque. Remplir un tableau de playoffs. Où sont les experts et les expertes? L'année dernière, nous vous faisions gagner avec Parion Sport, notamment un voyage aux États-Unis pour choisir n'importe quel match de la saison régulière. 2023-24, le vainqueur, il a dit, tu sais quoi, il avait annoncé Miami en finale NBA contre Denver. Enfin, un mec possédé, quoi. On vous ressortira derrière le bracket. Mais il avait pu choisir ça. Cette année, on fait quoi? Pardon? 5000 euros offerts pour le vainqueur du Trash Talk Bracket Contest. Êtes-vous le ou la future gagnante, gagnant de ce jeu concours extraordinaire? Rendez-vous ce lundi, 9h du matin. On vous réexpliquera toutes les règles, évidemment. Combien? Eh oui, 5000 balles. Tout à fait. Ce n'est pas un mytho, c'est très très simple, je vais vous réexpliquer le concept. Lundi, 9h du mat, on a le bracket contest qui ouvre, l'URL elle est très très simple, je vous la remets ici, c'est bracket2024.trashtalk.co. Si vous y allez tout de suite déjà et que vous cliquez, eh bien vous avez un joli compte à rebours. Vous êtes à 2 jours, 9h et 52 minutes de pouvoir participer. Le concept est très simple, vous remplissez le tableau des playoffs. Play-in inclus, les équipes qui vont sortir du play-in. Le premier tour, le deuxième tour, le troisième tour, les finales NBA. Si vous vous rapprochez de la vérité et que justement vous faites partie de ces personnes qui, il y a un an, ont annoncé Miami-Denver en finale NBA. Il y en a eu quelques-uns, des marbrés, excusez-moi, il n'y a pas d'autre expression, qui se sont dit, bah, tu sais quoi, hein, on va avoir Jimmy Butler contre Nikola Jokic et puis c'est parfait. Alors autant Denver c'était probable, autant Miami, pff, c'était quand même un truc de ouf. Eh bien, si vous faites partie de cette élite capable d'annoncer l'avenir, vous pourrez peut-être toucher les 5000 euros qui sont mis évidemment en avant sur cet incroyable Trash Talk Bracket Contest 2024. Et je vais recouper le son parce que certains ont peut-être pas vu l'information globale. Excusez-moi, mais est-ce que vous avez vu le petit bonus dont on a parlé derrière? Eh bien, je vais le préciser et je vais vous le rappeler tout le week-end pour que vous puissiez jouer de lundi 9h du mat jusqu'à mardi 23h59. Ça dure que 48 heures le jeu. S'il y a quelqu'un parmi vous qui propose le bracket parfait, ça veut dire toutes les séries avec les vainqueurs, ainsi que les scores exacts, 4-2 pour les Mavs contre les Clippers, ou 4-2 des Clippers contre les Mavs, la finale NBA est parfaite, le bracket absolu, vous êtes des milliers dans la commu, il y a des millions de gens qui peuvent participer, si vous avez le bracket parfait, c'est 10 000 balles. Et là, c'est 10 000 balles qui tombent dans la popoche. Et oui, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Oui, mesdames et messieurs, 10K dans la poche. C'est parmi vous. Désolé de vous dire ça, mais c'est parmi vous. Donc, rendez-vous ce lundi sur, évidemment, toutes les plateformes de Trash Talk. On sera là pour tout vous rappeler. Ça va être absolument dingue. La course va être folle. 5 000 balles à gagner. Et puis, au-delà de ça, parce qu'on sait évidemment que les sous, c'est chouette et que ça vous fait plaisir. Vous êtes la meilleure commu du monde, donc on aime vous faire plaisir, on aime varier aussi les cadeaux. Évidemment, vous repartez aussi avec le titre d'expert. Parce que ça, c'est, je veux dire, les sous, c'est très très bien, tout ça, évidemment, incroyable. Un lot extraordinaire. Mais, vous repartez aussi avec le titre officiel et officieux que, dans toute la grosse commu de Trash Talk, vous êtes capable d'annoncer l'avenir. Et ça, après, tu flexes pendant tout l'été, même la saison suivante, t'es là genre, ah ouais, mais moi, frérot, excuse-moi, j'avais annoncé quand même que, quoi, que Boston allait remporter le titre en finale contre quoi, Dallas, hein? Ou que Dallas allait remporter le titre en finale contre quoi, Milwaukee? Et Doc Rivers? Lol. Ça va être incroyable. Ça va être énorme, oui, ça va être incroyable. Donc, vous pouvez participer, évidemment. On vous rappellera tout ça ce lundi dès 9h du matin. Ça, c'est pour la première info. Évidemment, dans les autres petites infos, on va rappeler les premières confrontations qui sont prévues. Mais avant ça, je tiens à faire les rappels protocolaires. Où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes bien placé? Est-ce qu'on va se la kiffer ce soir? Petite lampée de café en vous demandant où est-ce que vous êtes. Est-ce que vous êtes bien installé? Bonsoir de Chicoutimi, tout au nord du Canada. Les Toulousains qui sont là, de Newcastle et de Rennes, de Porto Vecchio, évidemment. Les Dijonais qui sont dans la salle, bien sûr. Bonsoir aux Lillois et Lilloises de Saint-Malo, de Paris, d'Angers, d'Alger. Alger, Angers. On a des gens de Dakar, des gens de Metz, d'Auvergne. On a des gens de Lozère, magnifique, de Hong Kong, incroyable. Bonsoir aux copains et copines de Caen, de Lausanne, de Pau, du Mans, d'Avignon, de Porto, de Londres. Vous êtes absolument partout, de Haute-Marne, mais aussi de Montpellier, d'Édimbourg, la patrie, exactement. Et de Perpignan, de Saint-Denis. Malheureux de Bourg-en-Bresse, désolé pour les copains de Bourg-en-Bresse, ce soir c'était un peu compliqué, mais c'est comme ça, c'est la vie, on en reparlera dans les petites actus.
Évidemment, s'il y a des copains de New Legacy TTFL, d'Annecy, de votre propre chambre, de votre canapé, de vos transports, et quel que soit votre décalage horaire, évidemment, je vous souhaite le bonsoir. Ça fait plaisir de se retrouver quand même. Ça fait plaisir, on va pas se mentir. Donc, comme je le disais, nous avons un bracket contest qui va démarrer ce lundi jusqu'à mardi 23h59, puisque c'est mardi soir qu'on aura le début du Play-In Tournament. Je rappelle évidemment que concernant le Play-In Tournament, on a déjà une affiche qui est sûre et certain, ce seront les Bulls qui vont recevoir les Hawks mercredi soir, bataille 9 et 10, bataille de merde, comme on dit chez moi, désolé hein, pour mes fans des Bulls et fans des Hawks, hein, mais match absolument inutile, puisque ces deux franchises ne veulent même pas être compétitives. Hein. Je sais que si vous voulez me contredire, eh bien, je serai le premier à vous le dire, c'est complètement nul. Hein, donc bravo à l'équipe qui va perdre, voilà déjà en avance, hein, les Hawks qui ont décidé de ne plus jouer, même s'ils ont retrouvé Trae Young récemment. Bien évidemment, les Bulls qui sont dans le ventre mou absolu de la NBA. Merci à eux de toujours nous régaler, donc voilà, hein, ce sera ce mercredi. Ça, celle-là, c'est déjà l'affiche dont on est sûr et certain. Ça va être incroyable, bien évidemment. Et on attendra les autres petites affiches, puisque oui, il y a encore des batailles à définir. Vous le savez, hein, dans le classement, on a encore bien des choses à vivre, notamment avec cette nuit. Regardez ce qui se passe dans cette bataille à l'Est. Est-ce qu'on aura Sixers Heat ensuite pour définir la place numéro 7 ou la place numéro 8? Et puis dans la conférence Ouest, eh bien, Warriors Lakers, Suns Kings, tout ça va se décider évidemment dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Ça va être incroyable, évidemment. Et on va reparler, oui, certains parlent notamment de tournoi de qualification paralympique. On en parlera aussi très très rapidement dans les news françaises ce soir. J'y reviendrai d'abord, on reste sur de la NBA, bien évidemment. Donc, on a ça comme affiche. J'ai envie aussi un peu de vous tester, parce que lundi, on a le bracket contest, évidemment, mais lundi, si vous êtes sage et que vous traînez sur YouTube, il y aura peut-être un apéro science-fiction avec Simon et Alex, où on va remplir notre bracket contest ensemble, où il y aura l'expertise, évidemment, de Simon le professeur, de Bibi et d'Alexinator avec Léon Salaprod. On aura ensuite des previews pour chaque série de playoffs. Et là, j'ai envie de vous tester, vous. Juste craquez vos doigts. On a déjà une affiche qui est sûre et certaine. Clippers Mavs! Juste à chaud là, avant qu'on fasse tout là, avant qu'on fasse tout officiellement la semaine prochaine. Là, à chaud là, Clippers Mavs, ça part sur quoi? Moi, je vous avoue que je suis un peu... Eh, c'est quand même 50-50 dans le chat, hein, si vous pouvez me permettre. Hein. Mavs en 6, il y a beaucoup de Mavs en 6. Hein. Oh mon dieu, les Mavs en 6, on me dit. Mavs en 7, putain, il y a là, ouais. Les Mavs sont sur une dynamique de malade. Hein. Et les Clippers, forcément, on se pose plein de questions parce que Kawhi. On ne sait pas si on pourra trop compter sur Kawhi. Mais je sens que les gens qui suivent un peu la NBA ces derniers temps voient Dallas passer. Est-ce que ça va se confirmer? En tout cas, c'est l'affiche sûre et certaine dans la conférence Ouest. Elle se situe juste ici. Regardez, sur les places 4 à 5, retrouvailles. Hype de fou sur ces retrouvailles. On a vécu la bulle. Souvenez-vous quand Nico Batum, il était à Dallas. Il était chez les Clippers et il défendait sur Luka. Que les Mavs devaient se débrouiller avec Kristaps Porzingis. Là, on va voir ces Mavs-là, là, avec Kyrie, avec Luka. Avec PJ Washington, avec Daniel Gafford, avec tous ces garçons-là qui aident vachement bien. Contre peut-être Kawhi, playoff Kawhi, mais surtout Paul George Kawhi. Enfin, Paul George playoff, Harden playoff, Westbrook playoff. Ça va être incroyable. Cette série, elle va être monumentale, elle va être historique, et on espère d'ailleurs la vivre en direct du Grand Rex, puisque je rappelle que dans une semaine, jour pour jour, on sera la veille de la plus grosse soirée NBA de l'année. Et oui, nous serons 2500 personnes au Grand Rex de Paris pour vivre l'opening des playoffs. Très très hâte d'être avec celles et ceux qui ont pu cop leur place. Je sais que vous étiez encore des milliers à faire péter le serveur. Déjà évidemment, merci à toutes celles et ceux qui ont pris leur place. Désolé à ceux qui n'y seront pas. Restez patients. Peut-être qu'on en fera d'autres. Ou pas, on se tiendra au courant. Ce qui est sûr et certain, donc, c'est qu'on va avoir cette affiche extraordinaire entre les Clippers et les Mavs, ça c'est sûr et certain. Et ce petit Bulls Hawks qui aura lieu donc mercredi soir, ça c'est pour commencer au niveau des infos, on est sûr de pouvoir voir ces affiches. J'ai parlé de TTFL, j'ai parlé de plein de choses. Ce soir donc, 15 matchs, on va faire tous les pronostics tout à l'heure parce qu'il y a quand même une sacrée dose de scénarios à devoir gérer. Regardez notamment des confrontations qui sont folles. OKC ici contre Milwaukee, juste ici, attends je vais remettre ma main gauche, merci Gérard Agout et tous les copains qui envoient leur sub depuis tout à l'heure évidemment. Merci à tous, vous faites très très plaisir. Quand le bon s'enlèvera, voilà, OKC contre Milwaukee qui a lieu ici. Peut-être un petit Wemby versus Jokic.
On l'a vu il y a quelques jours, et peut-être la fin de saison de Wemby, hein, on verra, c'est peut-être un de ses derniers matchs. On a d'autres matchs importants, hein. Cavs contre Pacers juste ici. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre en termes de preview? On a le retour de Karl-Anthony Towns ce soir face à Atlanta, et puis un petit Golden State contre New Orleans aussi qui vaut son pesant d'or avec le Sacramento contre Phoenix. Bonsoir à celles et ceux qui me rejoignent maintenant. Une très très grosse nuit de NBA. Je sais, certains vont jouer pour Peanuts. Donc, je pense que Dallas, ça va reposer certaines personnes. Je sais que Philadelphie-Orlando, il y a encore des doutes. Et oui, Sixers Magic, évidemment, hyper important. Mais attention aussi, parce que je vous laisse me confirmer, mais je crois que Joel Embiid est encore questionable. Donc, on ne sait pas encore si le PPR Embiid va jouer. J'espère. On va voir. Mais ça peut être compliqué. Et on sait aussi que, évidemment, pour nos amis les Lakers qui sont ici, il va falloir continuer à mettre la pression. Golden State va jouer, les Lakers vont jouer, les Kings vont jouer. Et quand je vous remontre le classement, vous voyez bien qu'on est serré. On est serré comme les gens à la cérémonie, la future cérémonie des Jeux de Paris 2024. Ah, je sais, elle est un peu dure celle-là. Kings, Warriors et Lakers, 45 victoires pour 35 défaites. Ça va être zinzin. Et puis pareil, dans la conférence Est, on a donc cette belle bataille-là. Regardez là ce qui se passe entre Cavs, Magic, Pacers et Sixers. La NBA a bien fait son boulot. On a des très très belles confrontations sur les matchs de ce soir. On fera évidemment la preview tout à l'heure. Dans les infos, puisqu'on est quand même là pour faire un petit point information, félicitations à notre cher Paris Basketball qui a remporté l'Eurocup face à la JL Bourg. C'est fait, on a vu les larmes de Nadir Rifi, on a vu évidemment plein de choses. Moi, j'ai eu l'occasion de voir le match 1 en direct de l'Adidas Arena. Formidable travail réalisé par les Parisiens. Bravo à eux, évidemment. GG Paris, tout à fait. On respecte évidemment le vainqueur. Bravo aussi, évidemment, à la JL Bourg. Difficile, hein. Moi, j'avoue que j'avais été particulièrement déçu par la première mi-temps de la JL en déplacement à Paris. Ça a été très compliqué. Et puis, même s'ils avaient trouvé certains ajustements en deuxième partie de match, ça n'a pas pu le faire pour se rattraper. Donc voilà, je crois que si je dis pas de bêtises, du coup, direction l'Euroleague. Voilà, je vous laisse me confirmer. On aura l'occasion de suivre évidemment les belles petites aventures de nos amis de Paris. Mais on a aussi quand même autre chose au niveau féminin, hein, si je dis pas de bêtises, puisque Villeneuve d'Ascq ira en finale de l'Euroleague féminin. Bravo, mesdames. On va suivre tout ça, bien évidemment. C'est un véritable exploit. Rendez-vous dimanche à 18h pour la finale. La France et sur le toit de l'Europe, en tout cas de certaines compétitions, ça fait plaisir à voir. Et on espère qu'il y a des gros projets évidemment qui vont se confirmer, d'autant plus qu'on a vu qu'il y aura les playoffs, hein, par la suite, hein, là autour du mois de mai et de juin, et on suivra ça de très très près avant que certains talents aillent notamment s'envoler vers les US. Voilà, la France sur le toit du monde, moi ça j'y crois, et de toute façon on en reparlera lors du soir de la draft. Dans les autres informations, très important évidemment, copains et copines qui me rejoignent, bonsoir. Karl-Anthony Towns, de retour ce soir. C'est quand même une très bonne nouvelle pour les Wolves. Je vous cache pas que les Wolves avaient essayé de bien tenir sans Karl-Anthony Towns. C'était même très bien, hein, le travail qui avait été fait. Mais quand même, t'es content de récupérer 4 au buzzer. Minnesota qui a vachement fait le boulot et qui là espère justement bien produire. Comme je l'ai tweeté tout à l'heure, certains l'ont peut-être vu, c'est la deuxième meilleure saison de l'histoire des Wolves. Hein, là. La meilleure saison de leur histoire, c'est évidemment il y a 20 ans. Peut-être que certains ne l'ont pas connu ici dans ce chat. Hein, mais les Wolves de Kevin Garnett, 2004. La 13 Sprewell, Sam Cassell, 58 victoires en saison régulière. Aujourd'hui, Minnesota, eh ben, c'est quand même assez formidable. Regardez, ils vont finir très probablement deuxième de la conférence Ouest. Peut-être troisième même. À voir dans la battle avec le Thunder. Mais c'est vrai que c'est un très très grand moment pour la fanbase des Wolves, même s'il y a d'autres soucis au niveau management. Ça, on en reparlera. Voilà, ça c'est pour les petites news évidemment actuelles. Je voulais vous partager, certains l'ont peut-être vu, les over-under qui étaient balancés en début de saison, car on arrive en fin de saison. Et donc ça veut dire quoi? Eh bien, vous le savez, à chaque fois quand on fait les previews avec Alex, les 30 previews en 30 jours, on vous balance les over-under. Ce ne sont pas les nôtres. Ce sont ceux qui sont balancés par les bookmakers, donc notamment à Vegas, et qui disent « on doit mouiller, on va voir qui a combien de victoires ». Et donc, on peut faire le bilan parce que, je vous le montre aussi ici dans la conférence Ouest, eh bien, ici, vous avez le total de victoires qui avait été annoncé, et voici ce qui s'est passé en réalité. Donc, Boston, côté conférence Est, je vous montre tout en détail, 55 victoires annoncées, 62 aujourd'hui, formidable. Les Bucks ont été un cran en dessous, notamment pour des changements de coach, on voit 54 victoires annoncées, 49. Aujourd'hui, les Knicks ont été un petit peu meilleurs que ce qui avait été annoncé, formidable. Les Cavs, un peu en dessous. Alors,
Malheureusement, vous le voyez, la violence est pour Détroit. Hein. Détroit, il y avait un peu d'espoir. Avec l'arrivée de Monty Williams, avec Kate Cunningham, 28 victoires annoncées, il n'y en a que 13 aujourd'hui. Et d'ailleurs, je crois que j'ai dit de la merde, il n'y a pas du tout 20 victoires pour les Wizards, il n'y en a que 15. Ouais, je vais modifier le tweet, mais il n'y a que 15 victoires pour les Wizards, hein. Ça je suis quasiment sûr. C'était compliqué pour eux. Les Hornets ont sous-performé énormément, les Raptors ont sous-performé énormément, hein, là vraiment dans le bottom, ça a été compliqué. Tout ça là, c'était vraiment craignos. Hein. Les Hawks ont été moins bons, les Nets ont été moins bons, les Raptors ont été moins bons, les Wizards et les Pistons aussi. Donc ça, ça a été vraiment, vraiment compliqué pour ces franchises. Par contre, il y en a qui ont été droit dans le mille. Hein, je sais que notamment pour les Sixers, bah, y avait plein de gens qui étaient irrités par le 48 victoires annoncées. Force est de constater que même avec la blessure de Joel Embiid, eh bien, tu te rapproches de ces 48-là. Évidemment, il y avait des histoires de transfert de James Harden à l'époque. On va balancer bientôt la conférence Ouest. Juste la très très grosse surprise, regardez, c'est quand même Orlando et Indiana. Hein. 38 et 39 victoires annoncées. Tu es à 46, c'était dans le top 6 de ta conférence Est. Ça, c'est vraiment bien joué de la part de ces franchises qui ont surperformé par rapport à ces over-under. Dans la conférence Est, je vous pose juste la question. L'équipe qui vous a le plus déçu, quand je vous remets tout ça, est-ce que quelque part, c'est quoi? Ce sont les Bucks? Est-ce que c'est Atlanta? Est-ce que ce sont les Hornets? Je regarde ce que ça dit un peu. Les Bucks, bien évidemment. Ouais, c'est vrai que moi, les Bucks... Les Bucks, j'ai revu les previews. Je crois qu'on était en débat avec Alex pour savoir qui était premier de la conférence Est. Il n'y a pas de débat. Hein. C'est Boston, hein, très clairement. Je crois que les Bucks, on est d'accord, c'est la plus grosse déception dans la conférence Est. En tout cas, le niveau de jeu n'y est pas du tout. Et quelque part, j'ai envie de dire, ils ont 49 wins Milwaukee. Mais le ressenti, c'est quoi? Moi, j'ai l'impression que ils ont 49 victoires, mais ressenti 42, quoi. Ça a été hyper compliqué, j'ai eu très très peu de sentiments de... Ouais voilà, ressenti 40. On me dit les 40 et les 38 dans le chat, je suis d'accord. C'était vraiment compliqué. Toronto, on me dit c'est pas mal aussi. Moi j'avoue que Toronto, je suis moins déçu parce que, même si c'est un très gros tanking deuxième partie de saison, on savait dans quoi on avançait. Et on va en reparler dans quelques minutes, mais Toronto en début de saison, on savait qu'il y avait des rumeurs sur Siakam, on savait qu'il y avait des rumeurs sur Anunoby et qu'il y avait une transition. Nick Nurse avait été bougé, etc. Donc, on sentait que le meilleur à faire pour eux, c'était d'aller vers les profondeurs. Quelque part, ils y sont allés et pas avec la petite main, quoi. Ils ne sont pas allés de main morte. Donc, voilà dans la conférence Est ce que ça a donné. Je bascule à l'Ouest, puisque là, à l'Ouest, regardez ce qui s'est passé. Beaucoup d'équipes, évidemment, qui ont surperformé. Nuggets, c'est mieux qu'annoncé. Wolves, c'est largement mieux qu'annoncé. Thunder, pareil. Clippers, c'est mieux. Mavs, c'est mieux. Pelicans, c'est mieux. Aïe, les Suns, ça a craqué. Grosse, grosse, grosse déception du côté de Phoenix dans l'ensemble de la saison régulière. On en reparlera évidemment dans quelques minutes. Sacramento est droit dans ses bottes. 45 annoncés, 45 aujourd'hui. Les Warriors, un peu moins bon. Les Lakers, ça lui devait être. Houston, vachement mieux que ce qui était prévu. Et puis évidemment, la violence, c'est pour Memphis. Hein. Ah là, Memphis, malheureusement, vous le savez comme moi. Hein. Memphis, il y a 6 mois, on savait que la saison démarrait sans Ja Morant. Et puis en fait, bah, tu t'es retrouvé dans un merdier tel que le mec... Quand il est revenu, c'était bien. Hein. Vous vous souvenez, là, le match qu'il gagne dès son retour. Buzzer et tout à New Orleans. Tu sentais que Memphis, ça allait cartonner. D'ailleurs, il avait un bilan de fou à son retour. Et puis, bah, blessure. Et ça, c'était violent. Donc, c'est vrai que ça a été très, très, très dur. Ensuite, ça a été vraiment le shutdown absolu pour Memphis, qui a très bien fait. Hein. Ils vont se retrouver avec une belle situation à la fois à la draft et situation estivale. Il y a eu beaucoup de transferts. On a retrouvé Brandon Clark récemment. Mais voilà. Côté, en tout cas, conférence Ouest, il y avait de la croyance envers les Spurs qui vont finir très probablement donc bottom de la conférence Ouest. Mais l'effet Wemby était attendu, mais l'effectif était trop faible autour. On a le Jazz qui a vraiment sous-performé et qui nous a fait un classique avec du tanking sur la deuxième partie de saison. Votre plus grosse déception dans la conférence Ouest, est-ce que pareil, comme on l'a dit pour Milwaukee, est-ce que c'est Phoenix? Est-ce que les Kings, qui n'ont pas vraiment confirmé tout ce qu'on avait vu de formidable avec Light the Beam? Très clairement, je vois que les gens mettent les Suns. Il y en a qui mettent les Lakers. Bah, les Lakers, ils sortaient de finale de conférence quand même. Hein. Quand on a sorti les 30 prévus en 30 jours et que des gens nous ont taclé la gueule parce qu'on donnait 45-47 victoires pour les Lakers alors qu'ils sortaient de finale de conf, c'était chaud quoi.
Les Warriors, c'est vrai que les Warriors, il y a eu beaucoup de top 4 d'annoncés. Hein. Ouais. Parce que Chris Paul, parce que ça allait aller mieux, parce que voilà. Grizzlies, j'arrive pas à être hyper déçu parce qu'on... Je sais pas. Le début de saison partait déjà avec un handicap, hein, plusieurs matchs, une vingtaine de matchs d'absence de Jamorant. Mais c'est vrai que ça a été compliqué, en tout cas pour les fans de Memphis. Qui, je pense, je sais pas s'il y a des fans de, il y a des fans des Grizzlies là dans le chat. J'ai pas l'impression. Peut-être que c'est moi. Hein. Salut mon cher Onyx. Je sais pas s'il y a des fans de Memphis là dans le chat. Si oui, est-ce que t'es vraiment, t'es déçu? Est-ce que t'es déçu ou t'es juste un peu blasé? Ouais, les gens sont déçus côté Memphis. J'ai l'impression que t'es plus blasé en fait parce que ça a été un merdier du début à la fin quoi. Mais je sais pas. Non, on attend qu'on me dit. Non, il y a eu trop de blessures. On est là, oui, plutôt blasé. Pas déçu, juste une saison à oublier. Ouais, voilà. J'ai pas l'impression. Ouais, j'ai un peu. Voilà. Bon, bah on est aligné. Vous voyez. Merci Lucas évidemment pour le sub. Je crois qu'on est aligné. Memphis, c'est pas de la déception, c'est. C'est du « vas-y, on se retrouve plus tard, quoi ». Et puis, Jamorant a pu penser à autre chose pendant un an, donc c'était pas mal. Du coup, ça me permet un peu de revenir sur chaque franchise. Et on va jouer un jeu ensemble. Comme certains l'ont vu, je l'ai balancé sur Twitter. Je m'étais dit « là, dans 48 heures, on a 10 franchises qui vont être en vacances ». Je vous remonte le classement, évidemment. Dans les franchises qui vont être en vacances, dans la conférence Est, on sait déjà que Brooklyn, Toronto, Charlotte, Washington et Détroit sont en vacances. Deux de ces quatre équipes-là vont être évidemment en vacances dans une semaine après le Play-in Tournament. Et puis dans la conférence Ouest, eh bien on sait déjà que Houston, notamment avec Utah, Memphis, Portland et San Antonio, seront en vacances dans 48 heures. Donc profitons des matchs de ce soir et de dimanche. Parce que ouais, ça fait mal. À chaque fois, on est dans la folie des playoffs et tout. Mais je le répète, ça fait hyper mal au cœur, hyper mal au cul, excusez-moi. Mais pour ces 10 franchises, on ne les reverra pas sur un parc NBA pendant 6 mois. De avril à mai, de juin à juillet, de juillet à août, de août à septembre, de septembre à octobre. C'est 6 mois, quoi. C'est énorme. À chaque fois, on est là, on prend pour acquis la fin de saison parce qu'on se dit, ouais, et tout, c'est les dernières performances, il y en a qui cartonnent. Au fait, tu vas mettre qui dans ton trash talk bracket contest et tout, c'est la folie furieuse. Mais honnêtement, pour ces 10 franchises-là, c'est Cancun. Donc, bonsoir les copains et copines qui arrivent. Si vous débarquez à l'instant, ça tombe bien parce qu'on va jouer un petit jeu ensemble. On va parler de chacune de ces franchises qui est en vacances, dans 48 heures. Et je vais vous demander, vous savez que j'aime bien faire ce jeu, je vais vous demander un terme, un mot. Un mot, pas une expression, hein, mais un mot qui définit le plus la saison de cette franchise. Pour voir si on peut définir cette franchise mot par mot, en tout cas sur la saison qu'elle vient de vivre. Et donc, je sais que vous avez un vocabulaire très varié. Donc, nous allons commencer tout de suite par nos amis les Brooklyn Nets. Nets, qui étaient en transition. On le savait, on était sur quelque chose de très compliqué. Je vois que certains me parlent de rompiche, d'horrible, d'atroce, de néant. Oh la vache. Ah oui, horrible. Nul. Bordel, néant. J'ai l'impression que le néant revient. Inintéressant. Oh la vache. Sommeil, rompiche, insignifiant, néant. Je crois que le néant va l'emporter. Oh là là. Parce que... C'est terrible, hein. On fera d'ailleurs le coup d'œil dans le rétro des Nets dans les 30 prochaines previews. Mais pourquoi faire? J'aime bien le pourquoi faire. Pourquoi faire? Le même, c'est pas mal. C'est entre nul et néant. Dans les highlights des Nets, les mecs sont quand même venus à Paris et le seul moment qu'on a apprécié, c'est Nick Claxton qui s'embrouille avec Tristan Thompson. C'est une réalité. Hein. On a kiffé un petit coup de chaud de Cam Thomas. On a bien aimé Noah Clowney et Nick Claxton à certains moments. On a aimé Mikal Bridges à certains moments et Cam Johnson ici ou là. Un trade de Spencer Dinwiddie. Ben Simmons avec des game time decisions à ne plus quoi savoir en foutre pendant encore 200 ans. Jack Vaughn qui se fait virer. Vraiment, c'est... Franchement, c'était nul. Franchement, c'était nul. Je pense que c'est... Je pense que c'est une des équipes qui a été les plus tristes à regarder cette saison. Et donc... Je vais partir sur le néant. Je vous suis sur le néant. Les Nets ont été d'un néant absolu, voilà, insignifiant, décevant. C'était... Mais je sais pas si c'est décevant parce que les Nets... Pareil, je sais pas. Est-ce que vous saviez à peu près à quelle place vous annonciez les Nets? Parce que les Nets, là, ils sont quoi? C'est vraiment la place du con. Ils sont 11e. Les gens vont pas me dire que vous les aviez pas mis top 6. Ah, vous les avez pas... Ah si, il y a un top 6 là, ici, pour les Nets.
Ok. Voilà, on était entre 7 et 11, quoi. Allez, à peu près. On était dans ce range-là, je crois. Mais voilà, je m'attendais à rien et je suis quand même déçu. C'est tout à fait ça, les Nets. Donc, on va dire que c'est le néant et que c'était terrible à vivre pour eux. On enchaîne avec nos amis les Raptors. Toronto, qu'est-ce que ça vous inspire? On a eu vraiment, moi j'ai des termes qui me viennent de transition, notamment pour Toronto. Prévisible, j'aime bien prévisible. On savait ce que ça allait donner, notamment sur certains aspects. On avait un nouveau coach, on avait du transfert à venir pour Pascal Siakam, pour OG Anunoby, pour plein de garçons évidemment. Destruction, j'aime bien rebuild. Rebuild, c'est peut-être ça le terme qui va revenir le plus. Je regarde un petit peu ce qu'on me dit, évidemment tank, vu ce qui s'est passé sur la deuxième partie de saison. Reconstruire, rebuild. Reconstruire, rebuild. Reconstruction. Allez, j'aime bien le terme de reconstruction, il revient pas mal là, évidemment dans le chat. On est sur une reconstruction totale du côté de Toronto, puisqu'on aura eu évidemment beaucoup de mouvements tout au long de la saison. Massé Ojiri qui a appuyé sur le gros bouton rouge, on a vu hein, du joueur vraiment bouger dans tous les sens. Regardez hein, ce qu'on a retrouvé au final, du RJ Barrett, du Kelly Olynyk, du Emmanuel Quickly. On a même pu observer d'autres garçons compléter le roster. C'était très compliqué. On s'est retrouvé avec Freeman Liberty à la fin pour essayer de scorer, mais sinon trop dur. Quelques mèmes avec Grady Dick évidemment, une sélection All-Star pour M. Scotty Barnes, mais trop difficile. Le gros rendez-vous, évidemment, c'est à la loterie. Puisque maintenant, nos amis les Raptors vont essayer d'avoir un pick top 6. Si c'est pas le cas, le pick, il va chez les Spurs. Vous savez que la loterie, ça va être très drôle. Je vais avoir la date, là. Je vais avoir la date. NBA Draft Loterie. Excusez-moi, je regarde juste. Le 12 mai. Et on note dans l'agenda, hein. 12 mai. Ça va être violent. Je pense que je serai en live sur Twitch. Parce que là, ça va être très drôle. Et on saura du coup l'ordre de la draft 2024 qui va être hyper important parce qu'on a plein de Français qui sont évidemment pressentis dans le très très haut panier. On va partir sur Rebuild avec les Nets. J'aime bien le terme. C'est dans pile un mois. Tout à fait. C'est dans un mois pile. Bah tiens, je vais le tweeter. Allez. On va tweeter en direct. Regardez, ça va être très très drôle. Lol. Nous sommes à pile un mois de la loterie de la draft 2024. Rendez-vous le 12 mai. Je sens qu'on va bien se marrer. Allez, voilà. Hop là. C'est français. Magnifique. Hop là. Du coup, c'est vrai que, hormis quelques jeux de mots avec Grady Dick, on ne s'est pas non plus trop éclaté à Toronto. Saison de transition. Y a-t-il des fans des Raptors là, dans le coin? Je vais faire un petit peu comme d'hab la passe. Y a-t-il des fans de Toronto par ici? Si oui, j'ai l'impression que, bon, oui, c'est du rebuild. On est bien dans le rebuild. On est content. C'est OK. Transition. Yes, on est là. On est là. Pas trop déçu. Pas trop déçu. Hein, ça va. Ouais, non. Vous êtes présents. Y a du monde, hein. Ouais, ouais. Ça existe. Bien sûr que ça existe. Oh là là. Ben oui, très bien, voilà, ils sont contents. C'est formidable. Voilà, non, ça va, logique, voilà. Non, pas déçu, c'est prometteur. Ah voilà, j'ai l'impression que... Voilà, c'est très bien. Alors que les Nets, quand même, c'était nul, et que je rappelle que les Nets n'ont pas leur pick de draft. Hein. Merci pour tous les transferts de Sean Marks. On enchaîne. Une autre franchise dont il va falloir déterminer, évidemment, la saison en un mot. Et là, malheureusement, pour continuer dans la conférence Est, comment ne pas parler de nos amis les Hornets. Très très hâte de faire les Pistons, je sens que là vous allez me sortir les mots les plus horribles de la langue française. Les Hornets, c'est quoi le terme qui vous vient le plus à l'esprit? Parce que, phew, là on me met phew, on me met Miller. Alors évidemment Miller, évidemment pour la saison, mais qu'est-ce que ça inspire? Ouais Miller, hein. Bon bah Miller. Miller sinon déception. Prison. Fuck Miles. Eh oui, merci Miller. Allez, on va dire Miller. Miller, évidemment, pour Brandon Miller. Parce que magnifique, saison rookie de Brandon Miller, évidemment. Je ne suis pas là pour... Y a-t-il des fans des Hornets? Là, je pense que ça va être un peu plus calme là sur le chat. Mais s'il y a des fans des Hornets, déjà, bienvenue. Bravo à vous d'être encore en vie. Oui, oui, il y a des fans des Hornets. Eh oui, ils sont là, c'est bien. Un peu déçu, j'imagine. Je vais vous poser la question tout à l'heure, notamment sur les trophées, mais... Il y a eu une bataille Victor Wembanyama, Chet Holmgren une bonne partie de la saison. Je demande à tout le monde là, Brandon Miller, il est deuxième,
troisième. Il est en quelle place pour vous de la course au rookie de l'année? Je pose vraiment la question. Est-ce que certains le mettent deuxième ou pas? Ou est-ce que c'est troisième? C'est troisième. Il y en a qui le mettent devant Chet. Il y en a qui le mettent quand même devant Chet. Mais j'ai l'impression qu'on est trois. Voilà. Trois, c'est bien. Safe, c'est bien. Trois, c'est super. Allez, deux sur la fin de saison, mais trois sur la globale. On va se suivre là-dessus. On va partir sur le terme Miller parce que c'est vraiment la satisfaction. Très difficile de voir la Melo Ball jouer, de voir Mark Williams jouer. On a eu du transfert, PJ Washington, Grant Williams. On a eu Steve Clifford qui était bourré à chaque conférence de presse pour nous dire à quel point les jeunes, c'est de la merde. Saison de transition aussi, on va pas se mentir. On en reparlera notamment dans Dota les Cafés, dans les futurs 30 prévus en 30 jours, dans le coup d'œil, dans le rétroviseur. Changement de management. Tout. Changement de propriétaire, on en parlait, je vous en parlais dans les dernières previews spéciales Hornets, notamment en septembre dernier, hein, parce que je crois qu'ils n'étaient pas en octobre, hein, les Hornets. Ou alors je dis de la merde, peut-être que c'était en octobre. Mais dans tous les cas, on avait déjà un changement au niveau des propriétaires. On a eu un changement avec Mitch Kupchak qui a dit bah merci, mais en fait, bye. Et là, on a Steve Clifford qui vient de dire non. Donc il y a tout à refaire côté Charlotte. Pour autant, il y a une bonne base en termes de talent. LaMelo Ball, Brandon Miller, Mark Williams, moi l'année prochaine, je signe. Hein. Mais on va dire que c'est vraiment Miller le terme. Donc. Pour les Nets, néant. Pour les Raptors, reconstruction, rebuild. Et pour les Hornets, on part sur Miller. C'est vrai que c'est un assez bon mot pour définir cette saison. On continue. Et là, on va atteindre les profondeurs de l'Est. Mesdames et messieurs, la saison des Wizards. Quel mot... Alors, il y en a qui vont me dire, voilà, Simon ou Bilal, le cirque. J'aime bien le cirque. Je crois que le cirque est en train de me marquer pas mal. Le cirque, circus, divertissement. Alors, horrible, hein, évidemment, hein, pour les fans des Wizards. Atrocité absolue. Hein. Merci, évidemment, à Wizards France de nous avoir égayés à certains moments de la soirée. Y a-t-il des fans de Washington? Y a-t-il des fans de Washington parmi les 12 fans de Washington en France? Si vous êtes là, je veux vous voir. C'est maintenant qu'il faut monter à bord. Moi, vous l'avez vu, j'ai pas arrêté de le dire dans les dernières 30 previews et récemment sur Twitter. C'est maintenant qu'il faut monter. Alors, je sais, on est là. Il y en a un qui a mis on est là. Vous êtes là, là? Il y en a combien, là, de fans des Wizards? Je pense que c'est pas possible. Vous devez être 4, les gars. Alors, avec Bilal Koulibaly, évidemment, ça va se développer. Mais c'est vrai que ça a été compliqué pour Washington. On avait parlé du changement de management, notamment avec Will Dawkins et Travis Schlenk à la tête de cette franchise. On a eu du changement de coach. Hein, merci Wesson Seld, Junior, au revoir. On a eu quelques transferts de joueurs. On a eu évidemment des vétérans qui ont été conservés. Il faut que ça change. Il faut que ça bouge. Hein. On s'est éclaté avec Bilal Koulibaly, avec Denis Avdija, avec Corey Kispert. Mais sinon, très très compliqué de voir ce que ça pouvait donner. On va partir sur le cirque. Le cirque, ça convient très bien aux Wizards. Très hâte de voir leur été. Ce qui va pouvoir se passer en termes de décision dans cette franchise. Puisqu'il y a tout à faire. Et on suivra la loterie de la draft le 12 mai. Pour évidemment cela qui fait autour des petites balles de ping-pong qui définiront l'avenir de nos amis les Wizards. Je sais pas pourquoi je le sens bien. Je pense que Washington peut. Allez, Washington podium. Washington podium. Washington peut peut-être avoir le premier choix de la draft. Allez, on va voir. Le projet en tout cas il va être long, c'est une reconstruction. Mais donc je vous suis. On a dit pour les Nets, le néant. Pour les Raptors, reconstruction. Pour les Hornets, Miller. Pour les Wizards, donc nous sommes sur le cirque absolu. Je pense qu'on est à peu près d'accord sur ce terme. Ça sera un grand cirque pour retenir cette saison. Maintenant, on termine par le meilleur. Mesdames et messieurs, définir la saison des Pistons en un seul mot. Quel est le pire que vous pouvez me sortir? Poubelle, abomination, record. C'est vrai que record... C'est assez beau, c'est notamment cette série record de défaites qui était tombée. Qu'est-ce qu'on me dit? Historique. Eh, historique, historique. Historique revient pas mal. Hein. Putain, c'était nul. C'est peut-être historique. Hein. Gros et tronc, j'aime bien. Innommable, tragique, chiasse, Kylian Hayes, pathétique, liberté, terre du milieu, vomir. Dur, sponso par la FFL, j'aime bien. Si on devait choisir entre historique, record et
entre historique, record et horrible. Choisissez-moi un parmi ces trois et on va définir historique, record et horrible. Voilà. Hein, entre historique, record et horrible, qu'est-ce qu'on me dit? Je regarde un petit peu dans le chat. Historiquement horrible. Un record historiquement horrible. Allez, historique. Je vois que vous êtes chaud sur le historique. Terrible saison et saison historique. En effet, pour nos amis les Pistons qui sont donc là sur les bases, là, ils sont à 13 victoires. Ah, ils sont partis pour nous faire 69 défaites la saison. Nom de Dieu. Waouh! C'est absolument historique ce qu'on a vécu parce que oui, il y a eu cette série de défaites. Ils sont montés jusqu'à combien? 28 défaites de suite là? C'était le moment où il y a eu le plus d'audience autour des Pistons cette saison. C'était littéralement quand ils étaient à 24, 25, 26 défaites. Et ils sont montés jusqu'à 28. On s'est dit à un moment qu'ils allaient taper ce record. C'était complètement fou là. On était tous en train de se dire. Il y a même Kuzma qui a tweeté dessus là, vous savez, qui disait « Ah ben vous voulez pas être la franchise qui va perdre contre eux ?» C'était incroyable. C'était incroyable. C'était complètement fou. On était comme des zinzins sur cette série de défaites historiques. En effet, des Pistons. Projet terrible à suivre hein, et à observer tous les soirs de l'année. On a évidemment vu Killian Hayes se faire cut. C'était tellement sale, ça. Killian Hayes qui se fait cut. Genre, l'anecdote de la trade deadline, quoi. Killian Hayes qui se fait cut. Merci, au revoir. Evan. Evan qui a essayé de se faire un bout de cardio, hein, j'ai pas d'autres mots. Hein. Evan Fournier qui a fait de la cardio chez les Pistons là pour finir. Alors cardio, évidemment, il a essayé de rejouer, hein, le pauvre. Mais putain, compliqué pour lui aussi. Hein. C'était vraiment très 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 dur. Et pour autant, Kate Cunningham, à certains moments, il nous a montré que c'était un élite guard dans la NBA et dans la Conférence Est. Mais ça c'est... franchement, les Pistons... Moi, pour mon souvenir à moi... c'est le Allez Café spécial Pistons. Je sais pas si certains étaient là, hein, d'ailleurs à l'époque, vous pouvez le retrouver sur YouTube. J'avais fait un Allez Café spécial. tu nous as terminé, oui. J'avais fait un Allez Café spécial. Est-ce que les Pistons sont la pire franchise des 10 dernières années en NBA? Et je crois que la réponse était un grand oui. C'était vraiment de la merde. C'était nul. Merci les Pistons, c'était formidable. Donc pour résumer la conférence Est, nous avons le néant des Nets, nous avons la reconstruction des Raptors, nous avons le Miller des Hornets, nous avons le cirque de Washington, et on a terminé avec l'historique des Pistons, hein, vraiment cette saison absolument historique, une atrocité. On va devoir basculer dans la conférence Ouest. Et là, il y a un peu de positif, messieurs, dames, parce qu'il y a une franchise qui est en vacances, mais qui a un bilan large au-dessus que ce qui était prévu. Est-ce que les fans de Houston sont là? Mesdames et messieurs, la saison des Rockets vous inspire quel mot? Ça me semble prometteur. On me dit dommage. Prometteur, prometteur, dommage, progression, prometteur. Ah, je suis bien d'accord. Promesse et prometteur. Ça va commencer par prom, en tout cas. Progression aussi, pro. Progression, prometteur, prometteur. Ouais, je suis d'accord. Une saison pleine de promesses de la part de nos Rockets qui finissent quasiment à l'équilibre. Hein. Vous vous rendez compte, quasiment 41 victoires pour 41 défaites. Très très belle partition de la part de nos Rockets avec une saison donc de level All-Star pour Alperen Sengun. On a vu la belle fin de saison d'Amen Thompson. On a vu l'explosion de Jalen Green aussi en fin de saison. On a vu les beaux démarrages d'Ime Udoka avec Fred Van Fleet et Dion Brooks. On a vu le hustle et le trash-talking de Tarizon. Il y a eu des trucs vraiment hyper intéressants pour les Rockets. Et je pense que si il y a 8 mois, on vous avait dit, fan des Rockets, qu'on allait se retrouver dans les cafés de fin de saison et que le terme, ce serait prometteur, je pense qu'ils auraient signé toute l'année. Vraiment, hein. Moi, je vais ressortir dimanche, enfin plutôt lundi matin et dimanche soir, on va ressortir. Je vais ressortir notamment notre projection des bilans lorsqu'on était dans les 30 prévus en 30 jours. Évidemment, plein de gens les mettaient entre 28 et 32 victoires. Tu finis à 39, tu t'es quand même... tu fais le travail bien comme il faut. Donc félicitations aux Rockets, franchement je trouve que le terme prometteur est tout à fait bon. Nous sommes corda, montés dans le wagon, tout à fait, allez-y, hein. Houston c'est plutôt chouette, là ça y est, il y a des choses qui sont assez intéressantes en termes de structure, et on va voir comment ça va se dérouler, mais il y a de la continuité aussi, parce que les sous ont été pas mal dépensés l'été dernier, hein. Souvenez-vous du contrat donné à Fred Van Fleet et à Dion Brooks, pour ne citer que, il y aura encore des sous à dépenser, mais
Il y aura aussi des jeunes à devoir prolonger. Donc, tout ça à surveiller, mais pas mal du tout pour nos amis de Houston. Prometteur, je trouve que c'est le bon terme. Mission compliquée. Utah. Ah, j'ai pas de terme. C'est quoi la saison de Utah? C'est quoi? Il y en a qui me disent Balek. Point d'interrogation. Je n'ai pas de terme. Décevant? Ah tiens, décevant, c'est marrant. J'ai pas forcément de la déception. Moi, j'ai l'impression que c'était toi, c'est neutre. C'est transparent. Fantomatique. Transparent, fantomatique, je trouve ça bien. Des points d'interrogation aussi, c'est pas mal aussi. Sans commentaire. Un peu insipide, un peu fade. Je suis d'accord avec vous. Je regarde si... Invisible, insipide, on me dit un petit peu sans saveur, inutile, neutre, ouais, c'est indifférent. Bon, il y a un truc autour de ça. J'ai l'impression que c'est un peu indifférent, ouais. Ou insignifiant. Après, insignifiant, c'est vraiment violent. Hein. Mais très compliqué, en fait, de jauger cette saison du Jazz parce qu'il y a eu des trucs chouettes. Hein. On a pu voir Keontae George, hein. On a vu évidemment ce que pouvait donner. Certains garçons, hein, Taylor Hendricks aussi, hein, en termes d'apport. On a vu Colin Sexton retrouver ses vibes en NBA, c'était pas mal. Mais c'est vraiment cette espèce de bilan un peu bizarre, quoi. C'est-à-dire que t'es à 30 victoires, donc c'est pas suffisamment nul pour être tout en bas, mais c'est pas suffisamment bon pour être dans les équipes crédibles dans la bataille au play-in. Donc j'ai l'impression que ouais, c'est mou. Allez, on va partir sur... Je vais vous demander juste de trier parmi ces trois termes. On va partir sur indifférent, fade et plat. Voilà. Plat, fade et indifférent. Quel est le terme qui vous... Plat, j'ai l'impression que ouais, c'est plat. Ouais, franchement, c'est plat. Ouais. Voilà. En fait, j'avais juste à le chercher. En fait, c'était plat. Putain, le Jazz, je suis désolé, mais... Ouais, c'était compliqué, hein. Allez, on va partir sur plat, je le vois. Bah non, pas plat, on me dit. Comment ça, pas plat? Bah c'était un peu plat, quoi. C'était moyen. Allez, on va mettre plat et fade. Bah de toute façon, un plat fade, bah le Utah Jazz. Voilà. Donc merci à Walker Kessler à certains moments et à Laurie Markkanen à certains moments, mais oh là 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 là. Compliqué. Un peu compliqué. Pour nos amis le Jazz. J'enchaîne en termes de franchise, évidemment. On va passer aux Grizzlies. Oh là 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 là. Alors, Grizzlies, j'ai parlé avec la fanbase qui était là tout à l'heure dans le chat. Les Grizzlies, sortaient un terme. C'est quoi le truc qui revient le plus? Parce que, alors, on me sort des blessures. Ouais, je crois que c'est blessure. Record, hein, ça y est, ils ont le record all-time hein, de joueurs utilisés sur une saison. Hein. Je crois que j'ai tweeté l'autre jour. 31, 32, 32 joueurs qu'ils ont empruntés. Ah, blessure. Ah, franchement, blessure. Blessure dans tous les sens. Il y a tout le monde qui a été blessé, franchement... Alors, flingué, j'aime bien pour la ref. Je trouve que flingué, ça aurait été très, très drôle. Mais on va partir sur blessure, quoi. Blessure, franchement. Desmond Bane, blessé. Ja Morant, blessé. Tu pouvais pas compter sur tout le monde. Ensuite, Steven Adams qui était blessé. Ça a fini dans un transfert. Brandon Clark, c'était blessé. Franchement, ouais, il y a eu des... Tirer sur l'ambulance. J'aime bien votre humour. Franchement, lorsqu'il y a des blessures et qu'il faut faire des références de gun, vous êtes très, très fort. Blessure. Franchement, même Marcus Smart, t'as même pas pu. Eh, franchement, j'avais zappé que Marcus Smart, il était là, quoi. Marcus Smart, tu pouvais pas compter dessus. Ja Morant, tu pouvais pas compter dessus. Desmond Bane, tu pouvais pas compter dessus. Il y a eu plein de gars qui ont été blessés, quoi. Vraiment, c'était... Par contre, oui, J.J. Jackson, très bien. Par contre, il y a certains garçons qui ont essayé de sortir du lot, mais... Waouh. Et quelque part, je crois que Memphis, comme on en parlait avec la fanbase là, prendrait tous les jours ce scénario parce que s'il faut retrouver l'intégralité de l'effectif à 100% et que tu as pu développer des jeunes et que tu as un bon pic de draft, mais tu prends tous les jours. Alors moi, là, en termes de stratégie en cours de saison, j'ai adoré. Adoré. Les mecs, ils ont dit franchement, tu sais quoi, on va... Moi, j'ai tout de suite prévenu en mode attention, c'est tout de suite le bottom qu'il faut choisir. Ils ont fait, mais regardez-moi, je vais vous faire... Un tanking magistral, avec un peu de chance à la loterie, on va avoir notre pick, on va avoir de la place dans notre salary cap un petit peu, on va prolonger certains garçons, et on va revenir à 100% avec de la continuité. Non, franchement... Allez, blessure. On va partir sur ça. On part donc sur des Rockets prometteurs, un Jazz plat, fade,
et des Grizzlies blessés. Hein, les blessures. Y a-t-il des fans des Blazers dans le coin? C'est l'heure de parler de Portland. Portland qui va être en vacances dans 48 heures. Alors Portland, franchement, oh là 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 là. Oh aïe 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 aïe. Ah, j'aime bien flop. Ah, j'aime bien flop. Flop, c'est pas mal comme terme. Flop, j'aime beaucoup. Ouais, 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 ouais. Alors, c'est pas contre Scoot, hein, évidemment, hein, mais j'aime bien flop étonnant. J'aime bien Onyx. Mais flop, j'aime bien parce que lorsqu'il y a eu le trade de Damien Lillard, quand même, il y a eu beaucoup de gens, hein, que j'ai vu qui étaient là, quand même. Oui, Malcolm Brogdon et tout, avec Ayton, avec machin et tout. Et putain, ce que Shot Sebilops et les gars ont proposé, c'était vraiment un flop absolu, quoi. Très très compliqué là, on a dû se régaler sur du Diop Rith, sur du Toumani Kamara, sur une fin de saison de certains avec notamment Scoot Anderson qui trouve son rythme. On a pu avoir certains garçons qui ont pu contribuer, hein, évidemment Ryan Rupert, qu'on a vu également sur le terrain, mais franchement c'est un flop. Et alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas de promesses, évidemment il y a des choses à surveiller, mais même Shedon Sharpe, t'as pas pu trop le regarder jouer parce que il y a des blessures. T'as pas pu trop regarder Anfernee Simons non plus. T'as pas pu trop voir en fait le groupe jouer ensemble. Donc flop, je suis totalement d'accord. Ça va partir sur ça. Comment ne pas partir évidemment. Comment ne pas finir. Et là, je pense qu'il y a un mot qui va être évident. Comment vous résumeriez s'il vous plaît la saison des Spurs, dernier de la conférence Ouest. Je crois que le terme va sortir de lui-même. Je pense que ça commence par un W. Exactement, c'est Monsieur Wemby, c'est Wemby, c'est Wemby, c'est Wemby, 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 c'est vraiment la saison des Spurs à lui tout seul. Vous avez vu? Et on en pense quoi du... Je le montre. On en pense quoi du logo? Attends, je vais la voir là, je vais essayer de le mettre. Le logo qui est sorti par Nike là, oh, je vais essayer de mettre pause et vous le mettre là, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si tout le monde l'a vu, mais on a eu le logo qui est sorti là. Quelle masterclass absolue de la part de nos amis de... Si je dis pas de bêtises, hein. Je sais pas si on va bien le voir. Parce que là, je suis un peu en... Pas tout à fait en full screen. Mais alors, le logo... On verra après pour les pompes, tout à fait. Mais le logo qui a été fait pour Wemby en mode alien... Mais alors là... Ah, y en a qui sont pas chauds. Moi, franchement... Non, mais... Franchement, moi j'ai kiffé. C'est une dinguerie, mon gars! C'est trop bien. Enfin, moi j'avoue, j'ai kiffé. Je comprends que s'il y a des gens qui n'ont pas kiffé, mais moi j'avoue, en fait, c'est surtout le combo. C'est-à-dire le logo dans un vieux champ du Texas, là, tous les trucs paranormaux, et le jour de l'éclipse. Non, non, marketing sur 10, Nike, moi je respecte. Hein. Franchement, bon, en même temps, t'en es pas là si t'as pas une bonne équipe marketing. Mais les mecs, il y a une éclipse totale et ils nous révèlent le logo d'Wemby. Ça, franchement, c'était très très fort. On verra après pour les pompes. C'est vrai que là-dessus, sur Wemby, on verra. Mais bref, revenons au basket. C'est vrai que Wemby, j'ai envie de dire que c'est le terme de ces Spurs cette saison. En deux temps aussi, je trouve, les Spurs. Hein. Ça me semble tellement lointain, je sais pas vous. Mais quand il y avait Jérémy Sohan à la main, qu'on était là, genre, ouais, et tout, ça a bien se passer avec McDermott, Cedi Osman et tout. Moi, mon terme à moi, c'est vlog. Parce que évidemment, j'ai eu l'occasion d'aller à San Antonio en début de saison. Et d'ailleurs, je remercie tous les copains et copines qui ont envoyé des messages en commentaire suite à la sortie du vlog sur lequel on a bossé d'arrache-pied avec Léonce. C'était vraiment, c'était un grand moment pour nous, hein, sur la saison d'avoir lancé ça. Mais ouais, très clairement, le terme qui revient le plus pour la saison des Spurs, c'est Wemby. Donc, si je ne dis pas de bêtises, pour résumer un petit peu toutes ces belles équipes, bonnes vacances aux Nets, a.k.a. Néant. Bonnes vacances aux Raptors en rebuild. Bonnes vacances à nos amis les Hornets de Monsieur Miller. Bonnes vacances aux Wizards et leur cirque. Bonnes vacances à ces historiques Pistons qui vont être nuls. On retrouvera ces franchises dans 6 mois. Eh ouais. Bonnes vacances évidemment aux Rockets prometteurs qu'on a très hâte de suivre dans les prochaines 30 prévues en 30 jours. Bonnes vacances forcément à nos copains du Jazz qui ont été un peu plats, un peu fades. Cette saison, on va pas se mentir. Et puis bonnes vacances bien évidemment à nos Grizzlies blessés. Il faut retrouver la santé. Bonnes vacances
à nos amis les Blazers, un peu flop sur cette saison, et bonnes vacances aux Spurs de Wemby, qu'on retrouvera prochainement. Pour continuer un petit peu sur ce tour, parce que là on est sur la fin de saison, je rappelle évidemment qu'on va avoir 15 matchs ce soir, on va en faire les pronostics tout à l'heure, et dimanche on aura évidemment 15 autres matchs. Je rappelle que ça va être la folie furieuse donc ce dimanche avec, bim bam boum, je les ai là, ouais j'ai le programme là, ça s'affiche en grand. Ah non, je l'ai pas en... Attendez, je vais faire ça bien. Voilà, les 15 matchs de dimanche, on est là mon gars. Les 15 matchs de ce dimanche, ce sera à partir de 19h. Je rappelle donc que je vais essayer de faire un live Twitch, probablement ce dimanche aux alentours de 17h. On s'est dit 17h, c'est ça? On s'est dit rendez-vous 17h. Dimanche 17h. Grosse preview de la soirée de 15 matchs, bracket contest et compagnie. Hein. Car oui, hein, s'il y en a qui n'ont toujours pas noté ou qui ont débarqué sur le live. Bracket contest cette année, ouverture lundi, 5000 balles à gagner pour le vainqueur du jeu. Voilà. On arrête de déconner. Maintenant, je voulais aussi faire un point avec vous sur les trophées parce que on l'a fait cette semaine avec Alex et l'interaction qu'on peut avoir, notamment sur Twitch ici, c'est l'occasion d'avoir votre vote final. Nous sommes à 48 heures de la fin de la saison régulière. Donc, ça y est, les votants balancent leur bulletin officiel pour chaque trophée. Et donc, j'ai besoin d'avoir le vôtre aussi puisque on va... Imaginez que vous avez votre bulletin là, on a l'enveloppe, on va lécher un coup, hop, direction la NBA, et c'est fait. On va le faire un par un, et comme ça, avec le chat, je vais voir un petit peu si on a une forme d'unanimité sur certains, ou pas. Trophée de rookie de l'année. Trophée de rookie de l'année, messieurs, dames. Je veux pas votre top 3, je veux votre numéro 1. Je sais pas si on peut sondager, et si je l'ai bien mis, peut-être pas. Ouais, non, je l'ai pas encore... Mais je regarde d'abord le chat. Pas de débat. Wemby, je pense qu'on est d'accord. Ça va être pour lui. Maintenant, là où je vous pose la question bonus, et je l'ai posée à Alex dans l'apéro pour peut-être certains qui ne l'avaient pas vu. Oui ou non pour vous, unanime. Est-ce que ça va être oui, unanime ou non? Est-ce que ça va être 99% ou 95%? Oui, vous pensez que ça va être unanime? Il y a moyen, hein. Il y a moyen fort que ce soit unanime. Hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a un ou deux trolls qui vont nous dire oh « Non, non, deuxième place. » Les Spurs ont été derniers de la NBA et Chet Holmgren a été quand même très très fort. Donc, il va avoir des voix évidemment, mais des voix en première place, peut-être que ce sera unanime. Ce qui serait génial d'ailleurs pour la rivalité. Hein. Parce que moi, j'aimerais trop que Chet Holmgren, il ait genre zéro vote. Et que, c'est pas contre lui, hein, mais qu'il se ramène, mais déterre lors de tous les prochains matchs. Parce que la rivalité entre les deux, là, elle est pas mal. Hein. Wemby, on est d'accord. Là-dessus, pas de problème. Défenseur de l'année, je sais que ça a été un plus gros débat. Moi, je veux bien votre vote, puisque, comme j'en ai parlé avec Alex, on est parti sur Rudy Gobert. Mais j'ai entendu un peu de tout. Il y en a qui m'ont dit Anthony Davis. Il y en a qui m'ont dit Victor Wembanyama. Il y en a qui m'ont dit Bam Adebayo. Il y en a qui m'ont dit Herb Jones. Il y en a qui m'ont dit, je regarde dans le chat, j'ai l'impression que c'est pour Rudy. En fait, j'ai l'impression que Rudy coche tellement les cases de ce qu'un défenseur de l'année est pour les votants que ça va finir pour lui. Il y en a qui m'ont parlé de Derrick White. Évidemment, tout à fait. Maintenant, je ne serais même pas étonné que ça soit Wemby. Vraiment. Je pense qu'il y a des votants qui vont faire genre, bah, désolé du bilan, ouais, mais en fait, le mec est juste trop, trop fort. Donc, mais tous les graphes de défense, Rudy est devant Wemby, bon, à voir. Parce qu'après, ça dépend quel graphe on prend. Il y en a beaucoup plus globaux qui les mettent au coude à coude. Il y en a qui mettent notamment du Evan Mobley. Il y en a qui mettent du Anthony Davis, énorme. Il y en a qui mettent du Bam Adebayo. Il y a vraiment de tout. Hein, autour de cette course aux défenseurs de l'année. Mais je crois que ça va finir dans les mains de monsieur Rudy Gobert. Rudy Gobert! Salut Grégoire et salut tous les copains qui me rejoignent évidemment ce soir sur Twitch. Coach de l'année. Coach de l'année, il y a de la bataille, notamment avec du Marc Degnaud côté Thunder. Il y a eu du Chris Finch, mentionné évidemment. Il y a eu du Joe Mazzulla. Il y a eu du Jamal Mosley. Du côté, évidemment, de Orlando, c'est qui votre coach de l'année? Est-ce que c'est... Ah non, pas Doc Rivers, s'il vous plaît. Non, non, non. C'est hors de question. J'ai l'impression que, tout à fait, Marc Degnaud va partir avec une belle avance. Il y en a qui me mettent Tom Thibodeau, bon. Pourquoi pas, je suis pas non plus impressionné de fou. Darvin Ham, merci pour le troll. Nick Nurse, je trouve que c'est quand même un cran en dessous. Chauncey Billups, très joli troll aussi. J'ai l'impression que c'est pour Marc Degnaud. Après, une très belle deuxième place pour Monsieur Mosley à Orlando me ferait grave plaisir. Parce que vraiment, hein, vous vous souvenez à la combienième place vous avez mis Orlando en début de saison?
Franchement, je crois pas que ça devait être très très loin. Je crois qu'avec Alex, on les avait 10 ou 11e. Et franchement, ils sont top 6. Top 6, et pas top 6 ric-rac, hein. Ils sont top 6, genre... ils ont pu être récemment la top 4, hein. Top 4, top 3, donc c'est hyper impressionnant. Et oui, Orlando a perdu des places et tout, et c'est compliqué là sur la toute fin de saison, mais faut pas... voilà, en tout cas, je dirais que ça n'enlève pas de crédit à l'intégralité de la saison, quoi. C'est vraiment magnifique de travail, mais c'est pour Marc Desgnaux. Le Thunder va finir 2 ou 3e de la conférence Ouest, et ça, c'est énorme par rapport aux projections, parce que même les plus gros fans du Thunder, je sais qu'il y a des fans du Thunder là dans le chat, j'imagine. La fanbase du Thunder, je suis désolé. Vous pouvez nous choper par le col comme vous voulez, mais alors trouvez-moi un type qui n'était pas bourré ou aveugle et qui avait annoncé le Thunder top 3 de la conférence Ouest, franchement. Je crois qu'au mieux, j'ai vu des top 6. Au mieux. Au mieux du mieux, j'ai pu voir des top 6. Vraiment. Annoncé comme ça sans troll, c'était allez, on a vraiment bien progressé, l'arrivée de Chet et tout, on va être 6e de la conférence Ouest devant certains. Mais alors, top 3, trop fort. Et alors, pourquoi Marc Desgnaux est plus légitime que Chris Finch sur la progression? Je pense que il y a plusieurs éléments. Je crois que déjà, dans le jeu global, même si Minnesota et OKC tout à fait ont des bilans à peu près équilibrés, je pense que Chris Finch, il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites et de manière assez évidente sur notamment certaines situations dans le Money Time. Je pense que OKC a cet aspect d'équipe beaucoup plus jeune, notamment avec une structure et offensive et défensive qui les rend vraiment hyper respectés partout dans la NBA. Hein. C'est une des top 5 attaques, top 5 défenses de cette NBA. Minnesota a une défense extraordinaire, mais en attaque, ça a été un peu plus compliqué. Donc, il y a vraiment ça comme différence notable. On est évidemment sur un groupe qui a eu des grosses intégrations, notamment celle de Chet Holmgren, avec un beau développement de banc, avec des choix couillus, Kayson Wallace notamment, qui a été intégré aussi, avec des développements en interne, comme celui de Jen Williams. Donc, ça coche toutes les cases en fait. Hein. C'est-à-dire que Minnesota, il y avait une très très belle... enfin belle. Il y avait eu une fin de saison dernière prometteuse, intéressante, avec le play-in, avec Mike Conley qui arrivait, avec 4 plus Rudy Gobert, avec Anthony Edwards qui était là évidemment, ce qu'on pouvait voir avec du Jaden McDaniels ou du Kyle Anderson. Donc on a eu une forme de continuité, mais suraméliorée. Là, avec le Thunder, je pense que c'était vraiment la très 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 grosse surprise de la NBA cette saison en termes de bilan, quoi. Ça, c'était vraiment assez inattendu, à la même hauteur que Orlando qui finit top 5 de la conférence Est. Ça, c'était assez chaud. On bascule sur la progression de l'année. Dans les joueurs qui ont été souvent mentionnés, Tyrese Maxey, Coby White, il y a eu des mentions évidemment pour du Alperen Sengun, pour du Jalen Williams, pour du Jalen Suggs. Quel est votre vote? Est-ce que vous êtes vous aussi sur Tyrese Maxey? Est-ce que vous êtes sur d'autres garçons? Je regarde ce que ça me dit un peu. Jonathan Kuminga, évidemment, qui a été mentionné. On a quoi d'autre? Jalen Brunson, qui tout à fait a fait une saison extraordinaire avec Lennox. On a eu des très très beaux progrès aussi de Tyrese Haliburton. J'ai l'impression que c'est pour Monsieur Tyrese Maxey au niveau de la progression de l'année. Mais Coby White, tout à fait, qui a été mentionné. Moi, je l'ai mis d'ailleurs dans mon top 3. Si vous allez voir dans la vidéo. Donc, allez, moi je pense que ça va être pour Monsieur Tyrese Maxey. Grayson Allen, qui a été sympathique, mais qui a fait une saison extraordinaire d'ailleurs à 3 points, hein, des pourcentages de gogo, mais à voir. À voir. Je pense qu'il était déjà bien installé et que le job n'a pas non plus été à la même hauteur que celui de Tyrese Maxey qui est devenu All-Star, quoi. Enfin, je veux dire, le mec était quand même assez énorme, dont Teddy Vincenzo qui a été très très bon tout à fait aussi avec les Knicks et qui a envoyé lui aussi de la filoche dans tous les sens. Gros débat avec Alex sur le 6e homme de l'année. Certains m'ont parlé de Malik Monk, d'autres ont parlé de Norman Powell. Il y a eu du Naz Reid évidemment. Ça se joue, j'ai l'impression, surtout entre ces trois là évidemment. Après, il y a d'autres garçons qui ont été très très forts, mais vous êtes sur Malik Monk, Naz Reid ou Norman Powell? C'est surtout sur ces trois là que ça va se jouer, je pense. Il y en a qui mentionnent aussi du Bobby Portis ou du Klay Thompson, ça me semble un peu un cran en dessous. Mais Naz Reid, Malik Monk, Naz, Monk, Naz, Monk, Norman Powell. J'ai l'impression que c'est du 50-50. TJ McConnell, merci pour la mention évidemment, parce qu'il fait une saison de 6e homme de malade pour Indiana. Il leur a sauvé la vie, mais combien de fois là cette saison pour changer le momentum de la rencontre. Donc ouais, je pense que ça peut être pour ces deux-là, en tout cas entre Malik Monk et Naz Reid, on surveillera. Et puis Norman Powell, j'ai l'impression un petit cran en dessous. Et évidemment, on suivra tout ça. On doit finir avec le trophée ultime.
No disrespect envers Giannis Antetokounmpo, mais j'ai l'impression que la bataille se joue aujourd'hui entre Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic. Je vois sur la fin de saison un push énorme pour Luka. Push qui est justifié parce que il est à un niveau extraordinaire, que les Mavs sont sur une dynamique de fou furieux et que donc ça permet d'avoir un momentum de zinzin à l'approche des playoffs. Rien à redire sur la saison de Luka. Un peu plus de mal, vu qu'il va pas être top 4 de sa conférence, à l'avoir. Et certains vont me dire, Nikola Jokic l'a déjà eu aussi en étant 6e, 5e de sa conférence, donc c'est quoi cet argument ? En l'occurrence, il n'y avait pas la même concurrence, avec notamment Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic qui font des saisons de fou malade, en plus d'avoir le bilan top 3 de la conférence Ouest. Malheureusement, j'aimerais bien faire un sondage, mais le problème, c'est que là, j'ai le module qui n'est pas... Enfin, vous pouvez faire un sondage entre vous, hein, notamment. Hein, je ne sais pas si OnlyX y a notamment accès, mais je pense que là, en tout cas, moi, si je mets résultat sondage, j'ai pas le truc de... Voilà, ouais, j'ai le truc de cookie et tout. Il faut que je le règle avec Léonce pour pouvoir l'avoir. C'est envoyé. Formidable. Ah, bah, j'y ai peut-être accès sur ma fenêtre suivante. Qui est votre MVP ? Ah, merci, monsieur. Pour le moment, j'ai Luka. On me dit Luka à 46%. Devant Jokic et devant Shai. C'est hyper... C'est pas que j'ai l'impression que Luka, c'est le vote des 8 dernières semaines, mais j'ai l'impression que Luka n'était pas tout à fait dans la même bataille il y a un mois. Quoi. Dallas finit vraiment très très fort. Mais on parlait de Dallas dans le play-in tournament début mars. Quoi. Et Luka a été énorme toute la saison, encore une fois. Mais je trouve que Dallas... a fait globalement avec Luka un finish de fou furieux, que lui a continué sur son niveau stratosphérique, qu'il mérite d'être MVP si y a des gens qui votent pour lui, mais je sais pas si... Je crois que le classement, ça va pêcher pour lui. Et qu'il faudra faire une bonne saison de octobre à avril la saison prochaine. Et déjà, je pense que Luka va se ramener en playoff et vouloir casser les bouches. Et ça, notamment, on en reparlera évidemment dans le playoff science fiction, où moi, je vous avoue, c'est très très chaud là quand on va faire le remplissage de tableau avec Simon et Alex. Ça va être compliqué. En tout cas, vous êtes 45%, je vois, merci OnlyX pour le sondage, à voter pour Luka Doncic MVP devant Jokic et devant Shai Gilgeous-Alexander. Je ne sais pas comment fonctionneront les votants. Hein. Je ne fais pas partie des votants. On verra la saison prochaine. Ouais, ça, c'est un bon... Je sais pas si c'est pas une annonce hein, du tout, mais je pense que c'est un bon truc à pouvoir essayer d'avoir la saison prochaine. Ça serait cool. J'aimerais beaucoup faire le tour du game, le tour du jeu, et avoir un vote pour les awards. Ça serait un joli flex, ça. Je vais me le noter, tiens. Ça peut être pas mal. Allez. En parlant. En tout cas, voilà pour les votes. Je rappelle que donc ça va se jouer dans les prochaines heures, les prochains jours, hein, avec les votants qui vont devoir faire ça ensemble. Beaucoup de journalistes américains qui ont été consultés. Je sais qu'aussi Rémi Réverchon a eu du bulletin. Certaines chaînes de télé et partenaires de la NBA ont l'occasion de pouvoir voter. Donc très hâte de voir ce que ça peut donner. Ça, dans tous les cas, ce sera sûr évidemment une pensée pour Joel Embiid qui, avant... de se blesser, était leader de la course au MVP, il était monumental. Mais on va peut-être le retrouver à 100% pour le play-in tournament et peut-être pour les playoffs, et ça peut être très très drôle. Maintenant qu'on a parlé de tout ça, est-ce que ça vous dit de faire un petit quiz ? J'ai envie de jouer avec vous, et ensuite, après le quiz, on va faire... Alors, je pose la question, pardon, d'une autre manière. Est-ce qu'on fait le quiz, ou est-ce qu'on fait les pronostics des matchs de ce soir ? On va faire les deux, mais dans quel ordre ? Est-ce que je fais pronostics d'abord, ou est-ce que je fais quiz d'abord ? Vous me dites, prono ou quiz ? Quiz ou prono ? On commence par le quiz ? Prono, prono avant, prono, quiz, je regarde un peu. Ah, j'ai l'impression que les pronos vont commencer à l'emporter. Prono, on va faire les deux, hein, vous inquiétez pas. Hein. Allez, je le fais en speed. On va le faire ensemble. Et après, on fera le quiz, comme ça terminera magnifiquement cette émission, puisque les matchs vont commencer évidemment par la suite. D'abord les pronos. Ensuite les quiz. Je rappelle évidemment que vous n'êtes pas censé faire les bolos,
même si cette émission est en partenariat avec nos amis de Parents Sport en ligne, on ne pronostique pas les sous qu'on n'est pas capable de... C'est quoi la phrase, Alex ? On ne joue pas l'argent qu'on n'est pas capable de perdre ? On joue pas l'argent qu'on... Je sais plus. Qu'on n'est pas en mesure de perdre. Voilà. Hashtag faites pas les bolos. Je rappelle donc dans cette section, c'est très très simple. Je vais vous montrer juste les matchs de ce soir. Vous pouvez retrouver pas mal de petits pronos chez nos amis de Paris en sport que on retrouvera notamment sur le Trash Talk Bracket Contest. Je vous donne juste pour chaque match la confrontation et vous me dites oui qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Tout à fait. Qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Merci pour le wording. 1000 fois, on ne peut pas dire 1000 fois. Merci pour cette belle référence. Évidemment, la cité de la peur. Je vous donne le match. Et vous me dites, évidemment, quel est votre vainqueur. Philly contre Orlando. Vous êtes plutôt sur quoi ? Est-ce que c'est plutôt Sixers ? Est-ce que c'est Magic ? Les Sixers, très clairement, favoris dans cette rencontre. On va voir, on peut se permettre de ne pas regarder. Pardon, c'est très très drôle. Merci Nino pour le petit sub. Philly ou Orlando, je sais qu'il y a des incertitudes, mais Philly, on va partir sur une victoire de Philadelphie, je suis d'accord. Ça devrait faire le travail. Est-ce que vous avez un vainqueur aussi pour Washington contre Chicago ? Regardez-moi cette daube absolue qui se présente à nous. Wizards contre Bulls. Est-ce que c'est Wizards ou Bulls ? Allez, on va dire oui. C'est quoi ? Victoire de Washington. C'est quoi ? Rien que pour ça, je vais dire victoire de Washington. Ça va être très très drôle. Boston contre Charlotte. Boston contre Charlotte, évidemment, Boston est favori, mais on peut avoir un gros match de, évidemment, Brandon Miller et toute la clique, sachant que Boston va reposer certains cadres. Mais allez, on va dire Boston pour se marrer. Cleveland contre Indiana. Ouf. Ou le gros match. Cleveland en léger favori, évidemment. Ils sont annoncés pour le moment vainqueurs. En tout cas, ils sont un peu favoris. Et dans le chat, on me dit les Cavs aussi. Attention à ne pas sous-estimer nos amis les Pacers. Je vais partir sur une victoire des Pacers. Tiens, allez. Non, si. Allez, upset les Pacers qui font le travail au finish. On va voir ce que ça va donner. New York contre Brooklyn. Est-ce que les Knicks vont faire le travail face à ces terribles Nets ? Oui ! Allez, go là, mes Knicks fans ! Je pense que ça devrait assurer, évidemment, dans le derby. Est-ce que c'est vraiment une question, me demande ? Oui, les Knicks devraient battre les Nets, ça sans trop de problème. Spurs contre Nuggets. Les Spurs qui vont jouer à la maison. Denver en déplacement. Un petit Jokic contre du Wemby. Allez, je pense que Denver ne va pas se permettre de perdre. Ça va solidifier la place de leader de la conférence Ouest avec une belle victoire sérieuse de nos amis de Denver. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème. Memphis face aux Lakers. Pareil, j'ai l'impression que là-dessus, c'est pas vraiment là que les grosses confrontations vont avoir lieu. On est notamment sur des match-up entre des équipes qui tankent et des équipes qui doivent jouer fort. Lakers à fond. On y va de toute façon là. Vous l'avez vu hein, au classement, hein, c'est très très serré. Hein. Minnesota contre Atlanta, pareil, Minnesota doit jouer très sérieusement. Donc on compte sur les Wolves pour faire le boulot. Parce que les mecs des lacs, exactement, on les attend bien bien fort. Avec le retour de Karl Anthony Towns, après celui de Trae Young cette semaine, c'est Kat qui retourne au boulot avec Anthony Edwards et Rudy Gobert. On suivra ça de très très près. Thunder Bucks. Disons qu'elle est méchante à la cote là. Y a qui comme blessé ? Excusez-moi, vous avez plus d'infos que moi. Y a qui comme blessé à Milwaukee ? Il y a des... Lillard et Yanis ne jouent pas ? Yanis ne joue pas ? Oui, Yanis, pardon, c'est vrai. Yanis Mollet, pardon. Yanis, c'est vrai qu'il y a ça. Pas Yanis, pas Lillard. Aïe. Aïe. Ça explique deux, trois choses, ouais. C'est vrai qu'au Mollet, on s'était fait un peu peur. Et puis le Vosges nous a dit que ça allait, il allait être day to day. Mais OKC doit faire le boulot, hein, évidemment. Allez. On va mettre le Thunder, évidemment, puisque maintenant que les news sont très très claires au niveau des présences et des absences, OK, si, je rappelle, doit essayer de tenir tête à nos amis les Wolves, et ils espéreront fort que les Wolves seront de la merde contre Trae Young et les Hawks. Miami contre Toronto, bon, ça, normalement, ça devrait être assez clean, hein. Le Heat qui va devoir assurer sa place dans la course au top 6 avec les Sixers qui sont devant et les Pacers aussi. Attention, Toronto doit tanker comme des porcs. Dallas contre Détroit, bon, ça, pareil, hein. Je pense que Dallas va faire le boulot, mais... Dallas, tu sais quoi ? Détroit. Vous savez quoi ? Détroit. Si Dallas repose du monde et que Détroit fait n'importe quoi, c'est bon, Dallas, là, ils ont joué leur saison, là. Ils vont être dans leur délire, voilà, y a pas de problème. Allez, Détroit, ce soir, ça régale. J'ai envie que ce soir, ce soit n'importe quoi. Et on va se faire plaisir avec les Pistons, évidemment, qui vont tenter de jouer au basketball. Warriors-Pélican.
Ça, c'est un des plus gros chocs de la soirée, 4h du matin. Golden State contre New Orleans, qu'est-ce qu'on me dit? Attention, les Pels, évidemment, qui sont favoris en soi dans la rencontre, puisqu'ils ont évidemment un meilleur bilan que les Warriors, mais la cote est meilleure pour Golden State à la maison. Est-ce que ce serait pas pour nos amis les Warriors? Je vois que dans le chat, on me dit pas mal Golden State. Eh oui, je sais qu'on n'est pas mercredi, mais quand même. Golden State, on va voir. Ah là là là, moi je vous avoue que je vais dire... Qu'est-ce que je vais dire? Allez, je vais dire Golden State. Allez les gars, faut faire le boulot là au finish. On a Portland contre Houston, ça c'est des équipes qui ne jouent plus rien, donc merci les Blazers de tanker comme des poids lourds. Et on va compter sur des petits Rockets qui vont faire le travail en déplacement, très très bien. Les Clippers face au Jazz, ça, normalement, victoire des Clippers, et puis de toute façon, ça joue pas trop, puisqu'on sait déjà que les Clippers, ça va jouer les Mavs, donc pas trop de soucis. Et par contre, pour finir, regardez-moi cette merveille, Sacramento Phoenix. Ça, c'est quand même un banger absolu quand on regarde le classement. Vous dites quoi sur Sacramento Phoenix? Attention, regardez-moi cette bataille-là, c'est très très beau. Parce que vous voyez, il y a des jeux de classement de fou. Hein. Moi, j'en parlais toute la nuit, mais ça va être dingue, ça va être dingue. Dans tous les cas, voilà pour les petits pronostics. Si je résume donc, on va partir sur une victoire de Philadelphie, puis une victoire de Washington, une victoire de Boston, une victoire de Indiana, une victoire de New York, une victoire de Miami, des Lakers, des Wolves, du Thunder, des Nuggets, de Détroit, de Golden State, de Houston, et enfin, pour finir, des Clippers et de... et des Suns. Allez, on veut voir Alexinator là, on veut le voir en forme pour les previews qui vont tomber la semaine prochaine. Ce sera évidemment sur votre chaîne YouTube préférée. On suivra ça de très très près. J'en profite juste pour finir cette section, vous ne faites pas les bolos. J'en profite juste pour vous montrer ceci à 48 heures du début des choses sérieuses. Voici juste les cotes pour les équipes championnes NBA. Aujourd'hui, c'est Boston qui a la meilleure cote, 2,80. Denver est deuxième. Les Clippers sont là. Moi, je suis un peu choqué par certaines cotes. Genre aujourd'hui, tu me dis que Dallas est à ce point distant des Bucks pour remporter le titre. J'avoue, j'ai un problème. J'avoue que ça peut être un peu compliqué. Je sais même pas où est-ce qu'ils sont, les Knicks. Les Knicks, ouais, ils sont à 35. Ils sont où? Ah ouais, les Knicks, ils sont là. Ah ouais, mon gars. Ah, il y en a, c'est des dingueries. Bon, après, remporter le titre en soi, ça serait complètement fou, mais ça veut dire aussi accéder au final NBA, quoi. Les Wolves, ils sont à 30. Oh, les gars. Minnesota, ils ont vraiment pas la confiance. Hein. Genre, Minnesota a moins de chances d'aller jusqu'au titre que les Suns. Ok. Bon. Je suis pas du même avis, mais on va respecter les cotes, hein. Voilà, en tous les cas, pour les petits matchs de ce soir, on va terminer évidemment avec un gros quiz, avec un quiz de la mort qui tue, avec un quiz qui va tester vos connaissances. Et là, on va bien se marrer avant les 15 matchs de ce soir. Je vais vous envoyer le lien dans quelques secondes. Je rappelle juste évidemment que vous devez participer au Trash Talk Bracket Contest dès ce lundi. 5000 boules, what? 5000 balles à gagner pour le vainqueur du Trash Talk Bracket Contest. Et j'ai même envie de dire... excusez-moi! Y a-t-il un perfect dans cette commu? Si vous envoyez le bracket parfait, il y a 10 000 balles. 10 000 balles. Hop, le virement là. Imaginez ce que vous pouvez faire avec 10K. Balancez votre meilleure bracket parce que ça va être incroyable. On se donnera évidemment rendez-vous ce lundi à partir de 9h du mat pour jouer au bracket contest. Ça va être complètement fou. Réalisez vos rêves et participez au bracket contest. Le petit quiz de ce soir. Alors, je vais balancer le lien dans le chat juste ici et je vais surtout montrer de quoi il s'agit. Mesdames et messieurs, le quiz de ce soir, on va se marrer. Pourquoi? Parce que je vais vous balancer un lien pour annoncer en quelques minutes les leaders statistiques de chaque série de playoffs de l'année dernière. Oui, mesdames et messieurs, nous sommes évidemment sur les playoffs 2023 et série par série, on va devoir donner qui était le meilleur marqueur, rebondeur, passeur, intercepteur et contreur dans chaque série de playoffs qui a eu lieu. Alors évidemment, on va pouvoir le faire ensemble
Je rappelle que pour pouvoir participer, merci Oniax pour le petit épinglage, pour participer c'est très simple, vous pouvez ouvrir, on va tester un peu vos souvenirs, c'est ça que moi qui m'a fait marrer avec la thématique, c'est vous ouvrez le petit lien qui se situe dans le chat et que cet amour de Oniax a évidemment épinglé sur le chat. Vous pouvez couper le son si vous ne voulez pas vous faire spoiler. Mais vous pouvez aussi laisser le son et me voir galérer en direct. Ce qui est sûr et certain, c'est que nous allons avoir 8 minutes pour remplir ce quiz. Voir si on se souvient bien. C'était qui déjà le champion NBA ? Ah oui, les Denver Nuggets. Est-ce qu'on va être capable, dans toutes les séries, de donner le meilleur rebondeur, passeur, intercepteur, contreur et scoreur, évidemment, de cette série ? Je remets donc le petit lien juste ici dans le chat. On va pouvoir commencer dans une dizaine de secondes. Attention, mesdames et messieurs. Dans 10 secondes, on remplit ce petit quiz. 10, 9 et 8, 7, 6, 5 et 4, mais 3 et 2 et 1. Bon, là, on va pas se prendre la tête. Déjà, on va taper Jokic. On va voir combien de cases il remplit. Allez, 10 sur 75. Et encore, c'est pas mal. Est-ce que Jamal Murray, il a fait des dingueries? Ah bah ouais, les deux, ils sont à 15. Est-ce que Jimmy Butler, il a fait du sale? Est-ce que Bam Adebayo, il a fait du dingue? Pas mal aussi. Est-ce que Jason Tatum a fait du propre? Ok, est-ce que Jaylen Brown a été bon? Est-ce que Marcus Smart, qui était à l'époque avec les Celtics, avait fait du sale aussi? Même pas. Heat versus Bucks, on a eu un bête de passeur. Est-ce que ce serait pas Jrue Holiday? Tout à fait. On a eu du Kyle Lowry aussi, qui a fait des belles séries. On a eu Kevin Love. On a eu Tyler Herro, mais il a pas assez joué, malheureusement. On a vu quoi d'autre? On a vu alors Ford. Eh ouais. On a vu aussi un Celtics Hawks avec Trae Young. Pas mal. Il me faut le meilleur contreur de Heat Bucks. C'est quoi? C'est Brook Lopez? Allez, on les a. Sixers Nets. Wow, putain, c'était une série de playoffs, ça. Mikal Bridges, Joel Embiid. Oh, mais Embiid, il a rien fait, mon gars. Il a rempli aucune case. Harden. C'était qui les meilleurs rebondeurs? Claxton. Ouh là là, le meilleur rebondeur de PJ Tucker. Oh là là, Tobias Harris. Oh, je m'en sors pas mal. Ok, allez. Cavs Knicks. Bon, voilà, il y a du Brunson. Il y a du Mitchell Robinson. Il doit y avoir du Darius Garland. Du Donovan Mitchell. Et le rebondeur, putain, Jarrett Allen. Julius Randle. Evan Mobley. Ok. Ouais, merci. Merci pour les travaux, mais vous n'avez pas fait grand-chose, les Cavs. Allez, on va aller au premier tour de l'Ouest avec le meilleur marqueur de cette série entre Minnesota. Est-ce que c'est pas Anthony Edwards par hasard? Ouais, oh là là, Anthony Edwards, il a bûché. Hein. 32 points, 2 passes et 2 comptes de moyenne. Ok, Ant. Grizzlies Lakers. LeBron. Oh, il était nulle part. AD. Ouais, Anthony Davis, comment il a bûché. Anthony Davis, il n'y a pas de problème. Meilleur score de Grizzlies Lakers, Rui Hachimura, Ja Morant. Ah, Ja Morant, c'est le reste. Mais oui, mais il n'avait pas tout joué aussi. Donc bon, il y avait... Ah oui, alors qu'on m'annonce, ouais, en effet, qu'il y a 13 joueurs qui sont out pour le match des Grizzlies ce soir. Kings Warriors, Sabonis. Eh ben, mon sacré Domantas. Walou, Stephen Curry, c'est pas mal. Draymond Green, c'est pas mal. Kevin Looney, c'est pas mal. En interception, on a quoi? On a Malik Monk ou on a Fox? On a Fox et en contreur, Kuminga, Alex Len, Keegan Murray, Andrew Wiggins. Pff, allez, on s'en sort bien. C'est Andrew Wiggins, le meilleur contreur de la série. Suns Clippers, Book. Fresh, like I'm Book, like I'm Wet, like I'm Shook. Russell Westbrook, il était là. Meilleur rebondeur de... C'est Ayton. Oh, les souvenirs. Meilleur passeur, c'est qui? Durant? Même pas. C'est Norman Powell. Le meilleur passeur? Chris Paul? Ok, putain, c'est vrai qu'il y avait Chris Paul encore à l'époque. Oh. Allez, il en reste 3 en 4 minutes, ça devrait le faire. Il nous manque le meilleur contreur de Knicks Heat. Oh les gars. Hartenstein. Oh oui. Oui, c'est bon ça. Finale de conf. Le meilleur contreur de Celtics Heat.
Oh, le piège. Heywood Highsmith. Caleb Martin. Derrick White. Oui! Derrick White. Ça, c'est mon gars. Et il me faut le meilleur intercepteur de la série des finales entre les Nuggets et le Heat. Aaron Gordon. Bruce Brown. Kentavious Caldwell Pope. Oui, monsieur! 75 out of the 75! Est-ce que vous avez réussi à le remplir, ce petit quiz? GG. Est-ce que vous avez réussi à le faire, ce petit quiz? On me dit trop facile, un autre. Dimanche, vous en aurez un. Puisque c'est la prochaine fois qu'on se retrouve, ce dimanche à 17h. Bien évidemment. Ce qui va se passer maintenant, c'est très très simple. Vous allez prendre rendez-vous donc lundi pour le bracket contest. Si vous allez suivre les matchs de NBA, retrouvons-nous. Moi, je vais être là toute la nuit sur Twitter à essayer d'envoyer des dingueries. Parce qu'évidemment, on est sur la soirée au finish. Samedi soir, zéro match en NBA. Reposez-vous. Préparez votre braquette. Dimanche, 17h, on se retrouve sur Twitch. Puis, à partir de 19h, nous avons donc ces dingueries absolues qui représentent donc les derniers matchs de cette saison régulière 2023-24. Dernière fois qu'on verra les Wizards, dernière fois qu'on verra les Hornets, dernière fois qu'on verra les Raptors, dernière fois qu'on verra évidemment nos amis les Nets, dernière fois qu'on verra les Grizzlies, dernière fois que vous pourrez assister à un match évidemment de nos amis de San Antonio, dernier match des Pistons, dernier match forcément pour le Utah Jazz, dernier match pour les Rockets et toute dernière pour Portland. Attention, ça ce seront donc les dernières rencontres de la saison. Ça va être Megusta, comme on dit. Et donc, ensuite, on verra si sur le Play-in Tournament, on aura bien évidemment des équipes comme Atlanta ou Chicago, bientôt en vacances, ou les Lakers ou les Warriors, les Suns ou les Kings. Est-ce qu'on aura une chute de Philadelphie ou de Miami? Ce sera à surveiller, bien évidemment, dans les prochains jours. Je rappelle évidemment, en termes d'événements sur Trash Talk, qu'on va avoir le bracket contest ce lundi, un apéro science-fiction avec Simon et avec Alex. Le mardi, vous pouvez, c'est le dernier jour de participation au bracket contest. Le mardi, il y a deux previews de playoffs qui vont être balancés sur YouTube. Le mercredi, pareil. Le jeudi, pareil. Le vendredi, malheureusement non, il faudra qu'on attende les matchs du vendredi pour faire les previews qui vont sortir le samedi. Semaine de malade, ponctuée, s'il vous plaît, par une soirée à 2500 personnes au Grand Rex à Paris pour démarrer les playoffs 2024. C'est comme ça qu'on fait les choses ensemble. Semaine incroyable à venir, évidemment, tous ensemble. J'ai très très hâte de vivre les playoffs avec vous. Je vous cache pas, en plus, sans vous faire de promesses, c'est un nouvel endroit ici où tourner, comme vous avez vu le déménagement par rapport à l'année dernière, enfin en tout cas en septembre dernier. Et donc, j'espère être pas mal à proximité pour faire des live react pendant les playoffs. Vous en souvenez, il y a deux ans, quand il y avait 3 ans, quand il y avait KD et tout, l'orteil sur la ligne et tout, c'était n'importe quoi. J'étais sur Twitch H24. On faisait, il y a plus la voisine. Je faisais des live react à toute berzingue, là, on se retrouvait et tout. On était là, genre 4h du matin. Did you see what happened? Je vous promets rien, mais si ça se passe bien, eh ben, on aura l'occasion de refaire des live react comme ça parce que j'avais vraiment kiffé et qu'on avait l'occasion d'avoir un peu un point sur les playoffs tous les matins pour les gens qui se réveillaient et tout. C'était le bonheur, j'avoue. Pour ma santé, c'était le malheur, mais pour les gens, c'était le bonheur, et donc, vous méritez ça. Ce qui est sûr et certain maintenant, c'est que je vais vous faire des bisous. Merci aux copains et copines qui ont envoyé des subs. Vous êtes des amours, Canab. On se retrouve tout le temps sur Twitch, et c'est ça qui fait plaisir. Ce dimanche, 17h, pour le dernier Aller Café de la saison régulière. Ce soir, 15 matchs. Dimanche, 15 matchs. On finit la régulière bien comme il faut, et ensuite, roll it up! Bracket contest et on passe au playoff 2024. Ça va être incroyable. Je vous aime fort, je vous fais des bisous. Profitez bien de votre nuit. Ceux qui vont regarder les matchs, on se retrouve maintenant sur Twitter. Si vous regardez ce replay, il s'est probablement passé des dingueries cette nuit. Et évidemment, on se retrouve après-demain, dimanche 17h, pour un nouveau Aller Café. Je vous embrasse fort. Des bisous à toutes. Ciao.